C'est une défaite un peu au goût amer quand même, parce que je pense qu'on a encore proposé beaucoup de choses intéressantes. On ouvre le score sur un but remarquable. Je crois que les 20 premières minutes dans la maîtrise sont complètement à notre avantage. Eux, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à se créer des occasions. Et puis, on n'a pas su garder cet avantage, au moins jusqu'à la mi-temps. On prend un but, on n'est pas très attentif là, sur un ballon long et un second ballon. Après, bien entendu, il y a le talent de Dimitri Payet sur cette affaire-là. Après, j'ai beaucoup de regrets sur la deuxième mi-temps parce que, on a le sentiment de contrôler les attaques olympiennes et on prend un but sur une erreur, malheureusement. Malgré ça, on a la qualité et le jeu qui nous permet de revenir et d'avoir de grosses situations. Et je pense notamment à l'occasion de Souk sur la tête repoussée par la transversale. Il y a également deux actions qui sont très litigieuses quand même dans la surface marseillaise sur les deux situations de Souk dos au jeu avec Sakai qui est un peu déséquilibré et ça ne lui permet pas de remettre le ballon. Et également Karim Azamoun qui devance Luis Gustavo et qui défend avec son pied à la hauteur du visage de Karim au moment où celui-ci veut faire la tête. Donc bon, voilà, ce sont des actions litigieuses, il n'y a rien de flagrant, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon, ce sont des faits de jeu qui, sur ce coup-là, ne nous sont pas très favorables. Voilà, on est déçus parce qu'on ne peut pas se contenter simplement encore d'avoir existé par moment, par séquence. On a manqué d'efficacité devant et on a quand même pris 3 buts. Et donc, c'est compliqué. Ben, le bilan, il est plutôt positif, hein. Si je signe tout de suite pour être à notre place actuelle à la 38e journée. Ça voudrait dire qu'on a atteint notre objectif et avec un peu de marge. Donc, non, non, le bilan, il est positif. Mais voilà, quand on voit le scénario, le contenu de notre match ce soir, bon, si on est surclassé par l'OM dans un grand soir qui nous domine dans tous les compartiments du jeu, bon, c'est un peu différent. Mais là, il y a la frustration parce que je sens qu'on était très proche de cette équipe. Franchement, si Souk égalise sur la tête qui revient dans les pieds après la barre, à ce moment-là, les Marseillais ne sont pas bien quand même. Et peut-être qu'on peut aller chercher autre chose que le match nul à ce moment-là. Parce qu'il y avait beaucoup de fébrilité. Après, bien sûr, ce troisième but en contre sur une très très belle situation pour nous au départ. Bon, ben, clôture le match. Mais si on revient à 2 à 2, je pense que ça aurait été une toute autre fin de match. Donc c'est pour ça que j'ai des regrets. Mais le bilan de la première partie de saison est très intéressant, avec 21 points pris sur la phase aller. On est complètement dans les clous. Si on réédite la même phase retour, on est en Ligue 1 l'année prochaine. Il y avait 1000 raisons pour qu'on gagne ce soir, évacuer la frustration du dernier match, se faire à nous-mêmes un beau cadeau de Noël et en faire un surtout, bien évidemment, à nos supporters. Rester collé aux équipes de devant, enfin au deuxième et au troisième. Il y avait 1001 raisons pour faire un bon résultat, et Dieu sait si on s'est mis en difficulté. On a été mou, on n'a pas été bon du tout en début de match, et puis il est arrivé ce qui devait arriver, un but de 3. Je dirais que ça a eu au moins le mérite de nous réveiller, je pense. Et donc il a fallu les bouger, leur faire comprendre qu'on allait droit dans le mur si on reproduisait une deuxième période comme la première. Heureusement, on a des leaders et des joueurs qui tirent l'équipe vers le haut. Dimitri a mis un but fantastique. Et heureusement, je dirais que la seule bonne chose de la première période, c'est qu'on est parvenu avec en étant mené à la pause. Par contre, en deuxième, on a été mieux. On a eu une main mise sur le jeu. Louis a mis un but de, on va dire, de numéro 10. Et puis on a conclu par vraiment une très, très, un très très beau contre. Une magnifique passe de Dimitri et puis une clairvoyance, je dirais, de Morgan Sanson intéressante pour un attaquant. Donc Valère a marqué, c'est très bien. Voilà, 3 buts chez nous, c'est bien.